Bonjour, je vous montre aujourd'hui comment vous assurer d'avoir votre environnement Microsoft le plus en français possible. Je vous dis le plus possible parce que même moi qui ai fait en principe toutes les vérifications nécessaires, vous voyez à gauche que plutôt que de voir boîte de réception, je vois toujours inbox. Plutôt que de voir les éléments brouillons, je vois des drafts. Et plutôt que de voir les éléments envoyés, ce sont des sent items. Ça, je ne peux malheureusement pas le modifier. Donc, on s'y est penché depuis plusieurs mois, puis on n'a pas trouvé de solution, malgré que le reste de ma boîte de réception soit bien en français. Alors, il est possible d'avoir certains petits irritants comme ça, mais on va quand même faire le tour avec vous pour voir si votre environnement est le mieux paramétré possible. On va le faire dans deux outils, dans Microsoft et aussi pour le navigateur Google Chrome. D'abord, dans Microsoft, cliquez en haut à droite sur votre avatar et cliquez sur Afficher le compte. À gauche, vous allez voir Paramètres et confidentialité, et ça va vous mener à Langue et région. Voyez-vous qu'ici, ma langue d'affichage est bien le français du Canada. Ma langue par défaut, c'est le français de France. Alors moi, tiens, je vais aller modifier ça. Je vais ajouter du français du Canada. Alors, French Canada, c'est bien ça. Et là, voyez-vous, j'en ai deux qui sont affichés. Celui du français de France, je ne le veux plus. Je vais cliquer sur ces trois petits points-là et supprimer le français de France pour ne conserver que français Canada. Le reste en bas, c'est correct. Le format régional, c'est français Canada. Et le fuseau horaire, c'est le fuseau 5, l'heure de l'Est. Une fois que c'est fait, on va aller maintenant s'attaquer à votre version de Google Chrome pour voir si votre environnement Google est totalement en français. Allez en haut dans les trois petits points supérieurs à droite. Et vous allez voir l'outil encore là, Paramètres, juste en bas. Dans le menu de gauche, vous allez repérer les langues. Lorsqu'on clique sur Langues, on est invité à recliquer au centre pour gérer les langues dans les paramètres. Une fois que c'est fait, vous allez identifier facilement la langue de saisie qui est Français Canada, qui devrait l'être, ainsi que la langue pour la saisie sur votre clavier. C'est simplement comme ça qu'on peut s'assurer d'avoir les bonnes langues. Et c'est un peu comme Microsoft tout à l'heure, c'est-à-dire que si je vais dans les langues ici, je pourrais en ajouter. Et voyez-vous, moi j'en ai trois d'ajouter en fait. J'ai Français Canada qui est en haut. S'il est en haut, ça veut dire qu'il est prépondérant dans l'affichage que Google va me donner, dans tout ce que j'ouvre avec Google. Mon deuxième, c'est du français simplement sans régionalité. Et le dernier, j'ai même mis l'anglais parce que je ne souhaitais pas que Microsoft détecte des erreurs ou des fautes chaque fois que j'écris en anglais. Pas Microsoft, pardon, Google. Alors, ça aide beaucoup là, d'aller insérer une troisième langue. Puis, si vous voulez monter la prépondérance, vous pouvez cliquer sur les trois petits points, le placer en premier, par exemple. Et là, ça va être vraiment plus l'anglais des États-Unis. C'est dans cette langue-là que je vais voir le résultat de mes recherches. Mais moi, je vais le redescendre parce que je ne le veux pas là. Je vais le redescendre encore jusqu'à la fin. Voilà. Puis, vous avez vu aussi qu'on peut les supprimer. C'est comme ça qu'on s'assure d'avoir le plus possible nos paramètres de langue ajustés afin d'avoir le français comme premier résultat, en espérant le tout utile.